Coucou. Allez-vous mes chers abonnés, il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le deuxième single pré-début d'un nouveau girls group coréen qui se nomme Pearl Pearl Kiss. Alors je ne sais plus si c'est sur cette chaîne ou mon ancienne chaîne, j'avais réagi à leur pré-début et franchement j'avais adoré, surtout leur côté en mode badass, un peu dark. C'est vraiment un groupe que j'ai envie de suivre et hâte de voir vraiment leur début officiel. Et là aujourd'hui nous sort donc un deuxième single pré-début avec le titre Can We Tool Against. Et franchement je n'ai pas regardé de teaser pour vraiment pas me spoiler du tout, donc franchement je vais avec les yeux fermés, enfin plutôt ouverts, et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. On voit qu'il y a du budget à chaque fois, hein, que ce soit au niveau même tenue, mise en scène, etc. On est sur quelque chose de plus calme, de plus lent. Oh. J'aime beaucoup ce piano, c'est très chill, hein. Oh oh, vraiment le moindre détail dans les couronnes et tout, c'est superbe. Oh, 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 oh. Très bon jeu d'acting qui a des très bonnes expressions là, très doué. J'aime vraiment beaucoup ce bijou de tête là, enfin les diamants. Oh. Toi tu me fais flipper toi. Y a la folie quoi. Beaucoup aspect floral un peu desséché aussi hein. Sympa. Excellent. Eh bien franchement très belle surprise pour ma part, c'était beaucoup plus calme que leur premier pré-début single, mais franchement j'ai très très apprécié. Ça fait vraiment penser à beaucoup de sons de la deuxième génération de K-pop je trouve. J'ai vraiment
aimé ce côté dark, un peu gothique, mais badass. Ça reste quand même ce côté très badass, je trouve. La chanson était très calme, très posée, avec de très belles paroles. Chill même, je trouve. J'ai énormément aimé, surtout... Ce qui m'a vraiment impressionné, vraiment, c'est les expressions faciales de chaque membre. Je me dis, waouh, là, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, même extrêmement de potentiel dans chaque membre du groupe qu'il faut vraiment exploiter au maximum. Enfin, exploiter, vous comprenez bien dans quel sens je veux dire exploiter. Mais ils ont un talent vraiment, mais inné pour l'acting, je trouve. Peut-être qu'un jour, on va retrouver une des membres dans un drama ou dans un film. Ce serait quand même fort intéressant à voir. Mais en tout cas, tous les plans, même que ce soit au niveau make-up, tenue, j'ai adoré. J'aime vraiment tous les accessoires qui a vraiment été utilisés dans le MV avec ses détails, etc. Vraiment, j'ai été subjuguée par ce deuxième pré-album, enfin pré-single plutôt, pré-début. Ouais, je mélange mes mots, recommençons. J'ai vraiment aimé ce deuxième pré-début single. C'est beaucoup plus cohérent comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir tout simplement leur début officiel. Je m'impatiente. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé leur pré-début deuxième single. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Yonara.